beaucoup de choses. Comme je disais, les entreprises et le sport de haut niveau ont beaucoup de choses en commun. L'état d'esprit, la cohésion de groupe, toutes ces choses-là que nous, on peut mettre à disposition de notre expérience personnelle. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Sens. Parce que voilà, il faut trouver des choses qui nous motivent, qui nous font aller de l'avant, et j'ai trouvé, moi j'ai trouvé des choses en tout cas qui me vont bien maintenant, et voilà, donc j'essaye de me rendre utile en tout cas pour les gens, dans le sport, dans la santé, dans le bien-être. C'est des choses qui me parlent, mais c'est de toujours essayer d'être ouvert bien sûr aux autres, mais être aussi ouvert à soi par rapport à, j'irais, à ce que l'on traverse. Et Yann a dit, et dans le football comme dans le sport, on traverse aussi des moments difficiles. Mais aussi ces moments difficiles, ça nous structure aussi. On a été récompensé au niveau de la Ligue sur l'handicap, parce qu'on est en retard en France, je vous le dis, on est en retard sur l'accès pour les personnes en situation d'handicap dans les activités, dans le sport, dans le monde sportif. Là, je peux bien le dire, on est vraiment en retard. Forcément, pour vraiment être à la hauteur de cette exigence, il faut aussi s'adapter au niveau et se structurer, au niveau administratif, de 5-7 personnes permanentes. On est passé à entre 20 et 25, avec des pôles vraiment bien, bien définis. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les différences de management entre le management français et anglais en termes d'entraîneur, s'il vous plaît? Très bonne question. En France, tu as toute une structure. Là, on a le directeur com, par exemple. On a le directeur financier, on a le directeur sportif. On a, on a tout un organigramme. Et à savoir qu'en Angleterre, le manager, c'est-à-dire l'entraîneur, a le dernier mot sur tous ces points-là, en fait. Alors que l'entraîneur en France, le manager en France, ne choisit que le sportif. N'a des décisions que sur le sportif. C'est la grosse différence avec l'Angleterre. D'accord, bah écoutez, je vous remercie.